Bonjour, bonjour. Nouveau live backstage du matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Question habituelle. C'est important de vérifier ça. Donc, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique et en simultané sur la page Facebook de l'École Internationale d'Harmonica. Ce matin, je travaille les cadences parfaites, mixolydiennes et arpèges. Alors, je n'ai pas mis d'S à parfaite, ce n'est pas une faute de frappe ou une faute d'accord, c'est qu'il y a plusieurs cadences et on va avoir une cadence parfaite et deux cadences mixolydiennes. Voilà pourquoi c'est parfaite au singulier et mixolydienne au pluriel, et voir les arpèges. Alors en fait, ce que je voulais souligner dans ce petit cours, enfin bon, c'est aussi l'entraînement pour moi, mais c'est à la fois un cours, puisque vous savez que je suis en train de préparer je suis en train de tourner une super formation pour apprendre à jouer, à improviser grâce aux arpèges, d'accord, aux arpèges et à la gamme majeure, donc les arpèges de la gamme majeure, en fait, rien de plus que ça. Et l'idée, c'est que, en fait, quand on a des accords qui se suivent, où visiblement ils font pas partie de la même gamme, plutôt que d'apprendre une nouvelle gamme, puis encore une nouvelle gamme, puis encore une nouvelle gamme, et puis après avoir du mal à l'utiliser sur les enchaînements d'accords, le mieux c'est d'utiliser les arpèges directement. Et avec les arpèges, quand on sait bien les utiliser, ça fait tout de suite de belles mélodies et qui vont bien avec les accords, puisque les arpèges ce sont les notes de l'accord. Ok, bon. Et donc, ce que j'ai fait, alors je vous ai préparé un document sur Final. Donc, Final, c'est le logiciel d'édition de partition que j'utilise et qui me permet, c'est un logiciel d'édition de partition professionnelle qui me permet de faire toutes les partitions. Et donc, je vais partager l'écran, donc Share Screen, et je vais chercher Final. Donc, voilà, ici. Donc, c'est un document qui s'appelle Gamme cadence parfaite et mixolydienne en arpège. D'accord? Donc, alors, ainsi comment ça fonctionne. L'idée, c'est que là, en fait, dans la musique occidentale, dans la musique classique, qui fait référence quand même dans beaucoup, beaucoup de musique, même si le but, c'est pas de jouer du classique, il y a deux cadences qu'on appelle parfaites. En fait, les cadences parfaites, c'est quand on a sur un accord, on a le si, et ensuite sur l'accord suivant, on a le do. Ça, c'est ce qu'on appelle parfait, puisque si, c'est la sensible. Quand on est en do majeur, et quand on joue le si, il a tendance à vouloir nous faire revenir sur le do. Et donc, en fait, il y a deux cadences parfaites qui existent en classique. Il y a ce qu'on appelle le 5-1. Donc le 5-1, c'est bizarre la flèche. Bon, c'est pas grave. Alors 5-1 ou le 7-1. Sachant que le 5, c'est un accord majeur et le 7, c'est un accord diminué. Et donc l'accord majeur, donc ça fait sol majeur et do majeur, donc sol si ré et do mi sol, ce qui permet de faire par exemple. En fait, ré, sol, si, do, mi, sol, do. Ok, donc ça c'est le 5-1. Et si je fais le 7-1, c'est si, ré, fa, do. Voilà. Et puis on peut aussi mettre la septième. À ce moment-là, on a le 5-7 ou. Ça, c'est mineur 7 bémol 5. Voilà. Donc, sur sol 7, ça fait sol, si, ré, fa, ce qui permet de faire sol, si, ré, fa, mi, do, sol, do. Par exemple, ou sol, si, fa, ou sol, ré, fa, si, do, mi, sol, do, par exemple. Et quand on est sur si, enfin la 7 mineur 7 bémol 5, l'autre cadence parfaite, donc on joue si ré fa la, et donc on peut faire par exemple la fa ré si do mi sol do.
Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des cadences parfaites parce que ça termine parfaitement le morceau. Mais en fait, la cadence parfaite 7-1 ou 7 mineur 7 bémol 5-1 ou 7 diminué 1, c'est quelque chose qu'on utilise extrêmement rarement en. C'est pas celle qu'on utilise le plus en classique et on l'utilise jamais en fait en jazz ou enfin la plupart des morceaux de rock, tout ça, c'est parce que l'accord diminué, bon, c'est ça sonne bizarre quoi, et donc c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc en fait, il y a une cadence parfaite dans la musique, dans les chansons populaires, c'est la cadence 5-1. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais enchaîner. Donc généralement, c'est 5-7-1. Bonjour Guy, bonjour Amar Omri. Merci pour le like, Carmen. Donc, visiblement, tout va bien. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais jouer... en fait, alors, quand j'ai sol 7, donc sol 7 et ensuite do majeur, c'est la gamme de do majeur. Et plutôt que de me dire, bon, bah, allez, je m'en fous des arpèges, moi, je joue la gamme de do majeur, puis on verra bien si ça sonne, bah, je risque de jouer des notes sur sol 7 qui vont frotter avec sol 7, ou peut-être que je vais jouer des notes sur do qui ne vont pas bien sonner avec do. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les arpèges. Donc, par exemple... Alors, qu'est-ce que je peux trouver comme phrase? Bah, je vais essayer de trouver une phrase. Donc, je dois utiliser sol, si, ré, fa sur l'accord de sol 7 et do, mi, sol sur l'accord de do majeur. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'enchaîner les notes par mouvement conjoint, ce qui fait que soit je vais du si vers le do, ça c'est juste à côté, soit je vais du fa vers le mi. Donc, par exemple... Par exemple, sol, si, ré, fa. Donc là, je joue. Donc, je vais mettre tac ici. Sol, si, ré, fa, si. Et puis là, je peux faire do, sol, mi. Sol, do, par exemple. Et voilà, un exemple. Et donc là, ce qui est bien, c'est que quand je passe du si au do, ben on entend on entend bien la sensible qui arrive sur la fondamentale, et ça va sonner tout de suite. Oui, ça sonne super, quoi. Il n'y a pas besoin de se dire, attends, je prends la gamme de do majeur, mais qu'est-ce que je vais jouer comme note sur sol 7, sur do majeur? Ça se fait directement. Ah, bien sûr, il faut apprendre les arpèges, mais les arpèges, généralement, tu vas jouer sur 5 tonalités. Et une fois que tu auras appris les arpèges des 5 tonalités, surtout que d'une tonalité à l'autre, tu as des accords qui sont pas à la même place, mais qui sont les mêmes, quoi. Donc, tu n'as pas tant d'accords que ça à apprendre. Et une fois que tu les connais tous, après, c'est un vrai bonheur, puisque tu vois un accord, tu sais exactement quel arpège jouer dessus. Puis après, c'est à toi d'inventer des petites phrases pour que ça sonne bien, quoi. OK? Alors, donc ça, c'est la cadence parfaite. Alors, on va me dire, bon, d'accord, tout ça sur la gamme de do majeur, donc c'était pas très difficile. Maintenant, on va faire la même cadence, mais cette fois-ci avec les accords de 4 sons. Donc, ton sol 7, c'était déjà un accord de 4 sons. Et do majeur 7, ça va être aussi un accord de 4 sons. Donc, do majeur 7, c'est demi sol si. Et sol 7, c'est toujours sol si ré fa. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est... Là, on avait fait si do, on peut faire fa mi, par exemple. Donc, je vais m'arranger pour finir avec le fa sur sol 7 et recommencer avec le mi sur do majeur 7. Donc, par exemple. Par exemple, ça. Sol, si, ré. Donc. Sol, sol, si, ré, si, ré, sol, ré, fa. Donc, je fais exprès d'arriver sur le fa. Ça sonne bien. Puis après, je descends. Par exemple, mi, do, si, mi, do, si, sol, mi, sol, si. Ah,
Ça sonne bien, ça. Et encore une fois, là, mi, do, si, sol, bah, l'avantage d'avoir de le faire comme ça, c'est qu'on a un petit mouvement conjoint entre do et si. En fait, je me casse pas trop la tête, simplement, j'essaye de trouver, avec les arpèges que j'ai, c'est trouver une petite mélodie qui me plaît bien, quoi. Et ça sonne super sur la piste d'accompagnement. Alors, souvent, l'accord Do majeur 7, il est remplacé par Do 6. Donc, au lieu d'avoir Do, Mi, Sol, Si, on a Do, Mi, Sol, La. Au lieu d'avoir... On a... OK. Et donc, on peut refaire... on peut refaire le même plan, mais c'est d'en inventer un autre. Là. Par exemple, je vais essayer de commencer par Ré cette fois-ci. Petit challenge, j'essaie aussi de finir sur Fa, par exemple. Par exemple, Ré, Ré. Ré, Ré, Si, Ré, Sol. Sol, Sol, Ré, Fa, Mi. Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, Mi, Do, La, par exemple. Ça. Alors, j'ai peut-être Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, La, par exemple. Voilà, ça sonne bien aussi, ça. Ce que je vais faire, c'est que là, ça ne va pas être très pratique en direct, mais je vais vous enregistrer ça avec la piste d'accompagnement pour que vous puissiez voir à quel point ça sonne bien. Et je vous le mettrai sur l'article parce qu'en fait, j'ai écrit, je ne sais pas si vous avez vu ça, j'ai écrit un cours sur le site de l'École internationale d'harmonica. Où, en fait, qui s'appelle « Comment utiliser les arpèges en improvisation ». Je fais tout un récapitulatif de tout ce qu'on a vu ensemble pendant les lives. Et je vais vous ajouter aussi l'audio là, que je suis en train de faire avec la piste d'accompagnement. Bonjour Charles. Bonjour Michael. j'adore ça, qu'est-ce que tu veux. En fait, je travaille l'harmonica 1h30 par jour et pendant ma dernière une demi-heure, je partage mon travail avec vous. Donc voici si vous voulez aller voir ça, donc c'est le cours. Donc ça s'appelle exactement comment utiliser les arpèges en improvisation. Comment utiliser les arpèges en improvisation. Et c'est un cours qui est où donc je reprends tout ce qu'on a vu pendant les lives et voilà. Et je vais vous mettre aussi ce qu'on a fait aujourd'hui, là, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je vais vous mettre également les pistes, rejouer les mêmes plans, les plans que j'ai créés là, mais avec les pistes d'accompagnement, vous allez comme ça entendre à quel point ça sonne bien, parce qu'on pourrait dire, déjà là, ça sonne pas mal, mais avec l'accompagnement, c'est beaucoup mieux, quoi. OK, voilà. D'accord, donc ça, c'est le lien si vous voulez aller voir ça. Alors, je réponds à ta question, Michael. Bonjour, tu t'entraînes avec quel genre d'exercice pour que les arpèges rentrent dans ta tête pour jouer sur les bons accords et le bon timing? Je galère bien avec la BT en fond pour suivre. La BT? Tu t'entraînes avec la BT? Ah, la backing track, d'accord. La piste d'accompagnement. Bah, tout ça, je vais te l'expliquer dimanche, Michael, si tu viens dimanche à 11h. J'ai créé une formation justement pour jouer tous ces arpèges, quoi. Et pour jouer sur les bons accords, dans le bon timing, avec les bonnes notes, avec éventuellement d'autres notes qui ne sont pas tout à fait dans les arpèges, mais qui sonnent bien avec les accords. Enfin, tout ça, ça va t'expliquer en long, en large, en travers, en hauteur et en profondeur. Mais je vais en parler dimanche, je vais vous faire la liste de toute la méthode que j'ai créée. Et pour tous les motivés du dimanche matin, je vous ferai une super réduction sur la formation. D'accord ? Donc, je vous explique tout ça dimanche.
Voilà. Donc, alors, je continue. Si vous avez des questions, allez-y. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait, je vous ai parlé tout à l'heure que la cadence parfaite 7-1 qu'on utilise parfois en classique ou en musique baroque, on l'utilise très peu dans les chansons populaires. Et à la place, on préfère un accord qui est un emprunt. Celui-là, normalement, il n'a rien à faire dans Do majeur, c'est Si bémol. Ce qu'on appelle le bémol 7. Donc, en fait, la cadence, là, c'est bémol 7. Attendez, bémol 7. 1. D'accord ? Le B ici, normalement, c'est un petit B, hein, c'est bémol. Donc, bémol 7, 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, on joue de Si bémol à Do majeur. Et quand on joue Si bémol, Do majeur, donc, en fait, l'endon de Si bémol, c'est Si bémol, Ré, Fa, et la note de Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Et donc, en fait, là, en fait, on est en train de jouer, sans le savoir peut-être, mais on est en train de jouer sur la gamme mixolydienne, c'est-à-dire qu'il y a une gamme qui va bien là-dessus, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do. C'est celle qui correspond à l'enchaînement Si bémol, Do majeur, d'accord ? Mais le problème d'apprendre une nouvelle gamme, donc qui s'appelle la gamme mixolydienne, c'est qu'en fait, bon, faut savoir l'utiliser, et puis après, bon, faut la jouer sur les bons accords, etc. Et donc, pour éviter ça, pour éviter d'apprendre une nouvelle gamme, tout simplement, je joue sur les arpèges. Et par exemple, je me dis, tiens, je vais aussi faire comme tout à l'heure, je vais essayer de finir avec le Fa, pour ensuite enchaîner avec le Mi, par exemple. Donc là, par exemple, je vais faire Ré, Ré, Si bémol, Ré, Fa, Fa, Ré, Fa, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Sol, par exemple. Et donc, ça fait... Okay. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, éventuellement, je vais le rajouter. Voilà, on va s'arrêter de mesure ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que je voulais faire, voilà, c'est ça, c'est enchaîner sur le Do 6. Hein, on a vu que l'accord de Do majeur 7 n'était pas toujours employé en chanson populaire, mais souvent, on utilisait Do 6 à la place. Et donc, ce qui est génial avec le Do 6 et le Si bémol majeur, c'est qu'en fait, le Si bémol, la note Si bémol, elle peut être enchaînée sur le La de Do 6. Encore une fois, Do 6, c'est Do, Mi, Sol, La. Et donc, Ré, 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 Fa, Ré, Si... Si, Ré, attends, on va faire autrement, plutôt comme on va mettre Si, Ré, Fa, Ré, Si bémol, Fa, Ré, Si bémol, et là comme ça je peux enchaîner sur le La, La, Sol, Mi, Do, La par exemple, okay. Donc ça veut donner ça, donc là je joue Si bémol, Ré, Fa, Ré, Si bémol, Fa, Ré, Si bémol, La, Sol, Mi, Do, La. Voilà. Et ça sonne super, quoi, aussi, ça. Parce qu'on a le Si bémol, La, c'est un demi-ton, donc le mouvement conjoint, c'est quelque chose qui est très important. Alors, si on continue, on peut très bien se dire, puisque je suis sur la gamme mixolydienne, je continue. C'est vrai que le La, je l'ai exprimé avec le Do 6, mais quand j'ai simplement l'accord de Do majeur, je ne l'exprime pas. Et je peux le mettre directement dans l'accord de Si bémol, et ça devient l'accord Si bémol majeur 7. Donc, c'est ce qu'on appelle une cadence mixolydienne aussi. Et donc là, je peux jouer Si bémol Ré Fa La. Donc, dans l'arpège de Si bémol majeur 7, c'est Si bémol Ré Fa La. Et donc, alors évidemment, je parle de la gamme mixolydienne pour vous montrer que ça vient de là, mais en fait, on n'est pas obligé d'apprendre la gamme mixolydienne, il suffit simplement de jouer les arpèges. Donc, par exemple, Ré, Fa,
La, fa, ré, si bémol. Si bémol. La, fa, mi, do, sol. Mi, sol, par exemple. Alors, j'aurais pu faire ça. Ou alors aussi, alors, si on peut, ce qu'on peut faire aussi, ré, fa, la, fa, ré, si. Ré, fa. Alors, ce qu'on peut faire sinon, c'est ça. Enfin, juste un exemple. Si bémol. Si bémol. La, sol. Comme ça, on continue la gamme. Sol, mi. Au mi sol par exemple. On peut faire ici peut-être. Alors ré, fa et tout de suite si bémol, c'est pas très beau. On peut faire alors, ré, fa ici, ré. Ré, fa, la, ré, fa, ré, si bémol, la, sol, mi, do, mi, sol. C'est pas mal ça. Ah, ou alors je fais. Ah oui, je vais faire ça. La, fa. La, fa, ré, fa. Oh. Ouais, c'est encore mieux ça. Fa, la, fa, ré, fa. Oui, ça sonne super quoi. Et je me suis pas cassé la tête, hein. Simplement, j'utilise si bémol ré fa la avec l'idée des arpèges. Et puis après, sol mi do, voilà, c'est l'arpège do mi sol en descendant. Et puis après, do mi sol en montant. Ok? Et puis, lorsque vous avez des questions jusque-là, et puis après, on va voir la cadence suivante. C'est bon pour tout le monde? Ok? Et ben voilà, donc pour finir, bah, en fait, on peut aussi se dire, bah, plutôt que de jouer. Le si bémol majeur 7, je peux jouer si bémol 7. Comme ça ressemble à sol 7. D'accord? C'est un accord de septième. Bon, donc c'est une façon de faire aussi. Et à ce moment-là, l'arpège de si bémol 7, c'est si bémol, ré, fa, la bémol. Et do mi, et do majeur, c'est toujours do mi sol. Okay. Et donc ça, c'est un nom. Et le nom, c'est la gamme mixolydienne bémol 6. Alors voilà, donc l'idée, c'est que si on joue les gammes, on a le droit de se dire, bah, moi, je joue pas les arpèges, je joue les gammes. Il faut apprendre une nouvelle gamme, chaque fois que tu as un nouvel enchaînement d'accords, donc ça devient très compliqué. Do, ré, mi, fa, sol, la bémol, si bémol, do. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gamme mixolydienne bémol 6. Mixolydienne parce que do, ré, mi, fa, sol, la, si bémol, do, c'est mixolydienne. Et bémol 6 quand on a le la bémol. Mais si à chaque fois que j'enchaîne deux accords que je n'ai pas l'habitude d'enchaîner, je dois apprendre une nouvelle gamme, ça devient très compliqué. Donc le mieux, c'est tout simplement, bah, je dire, ok, je m'occupe pas de la gamme, je m'occupe uniquement de l'arpège. Et j'essaye de faire en sorte que ça s'enchaîne de manière fluide. Donc par exemple, la bémol qui s'enchaîne sur le sol. En fait, je peux très bien reprendre ce que j'ai fait ici, le précédemment, mais cette fois-ci, je remplace le la par la bémol. La bémol, fa, ré. Si bémol, la bémol, sol, mi, do, mi, sol. Je vous refais les deux. Donc, je vous fais la si bémol majeur 7, do majeur, et ensuite si bémol 7, do majeur. Donc, la première qui est en do mixolydien, et la suivante qui est en do mixolydien bémol 6. Écoutez bien la différence entre les deux. Oui, ça s'enchaîne encore mieux. Puisqu'on n'a qu'un demi-ton entre la bémol et sol. OK? Voilà ce qu'on peut faire avec, avec ces arpèges. Qu'en dites-vous?
vais exporter ça, comme ça je vous le mettrai dans le cours. Donc je vais mettre, ouais, je mets ça là-dedans directement. Super, bon. Tu as un bouquin pour les gammes autre que celui que David Herzhaft t'a recommandé. Alors, je ne sais pas quel est le bouquin sur les gammes de David Herzhaft. Un bouquin sur les gammes, non, mais par contre, si tu veux, j'ai un cours sur les gammes. Donc, je vais te montrer le cours. En fait, c'est les gammes que j'utilise, la plupart des gammes qu'on utilise, quoi, parce que après, des gammes, tu peux en trouver autant que tu veux, tu peux en trouver des centaines, des milliers, mais ce qui est intéressant surtout, c'est évidemment d'avoir les gammes qui vont bien sur la plupart des styles de musique. Donc, alors, je vais te montrer ça. Alors, attends, pouf, j'ai retrouvé dans le catalogue. Voilà les positions de l'harmonica. Et alors l'idée, c'est que je vais... Voilà, donc... voilà, les gammes folk, rock et blues dans les 12 positions. Bah déjà ça, alors sauf si tu veux vraiment jouer du jazz, à ce moment-là, tu as encore peut-être d'autres gammes, mais sinon, je te présente ça ici. Donc c'est les gammes... Les gammes folk, rock et blues dans les 12 positions. Comme ça, tu as toute une collection de gammes avec la tablature. Okay. Ça, c'est pour Michael et tous ceux qui veulent... voilà, les gammes folk, rock et blues dans les 12 positions. Voilà. Tac. Okay. Là, tu as tout ce que tu veux. Après, si vraiment tu t'intéresses à des gammes utilisables en jazz, bah, dis-le moi. Et ça pourra être l'objet d'un cours. Est-ce que c'est jouable sur un harmonica en do? Bah oui, bien sûr, tout à fait. Alors après, dans la méthode, j'utilise un harmonica en si bémol, mais une fois que tu as compris le principe, bah, il suffit de refaire la même chose sur un harmonica en do, oui, bien sûr. Tout est jouable, de toute façon, tout est jouable sur toutes les tonalités d'harmonica. Simplement, si tu joues avec un harmonica en do en suivant la méthode que j'enseigne dans laquelle je joue qu'un harmonica en si bémol, bah, tout simplement, tout ce que tu vas jouer va sonner un ton plus haut. Voilà. Mais bien sûr que c'est jouable. Après, si tu veux suivre les cours avec moi, Charles, le mieux, c'est quand même d'acheter un harmonica en si bémol. Et comme ça, tu peux jouer avec les deux. Moi, je joue avec les deux, hein, le si bémol et le do. 90% du temps sur le si bémol et 10% du temps sur le do. L'avantage du si bémol, c'est que tu peux prendre n'importe quelle partition de trompette, de clarinette, de sax ténor, de sax soprano, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de partitions qui sont écrites pour ces instruments et très peu pour l'harmonica. Et c'est toujours avec un harmonica en si bémol, bah, comme ce sont aussi des instruments en si bémol, la clarinette, le sax ténor, le sax soprano, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le clarinette, saxo, ténor, saxo, soprano. Et trompette, voilà. Et ben en fait, tu as la possibilité de jouer directement avec les disques qui sont fournis, parce que souvent il y a des recueils avec des disques qui sont fournis, avec des morceaux qui sont pas très difficiles à jouer, parce que généralement les recueils pour harmonica c'est de la haute voltige, et du coup tu peux jouer directement. Donc le fait de s'habituer à jouer sur un harmonica en si bémol, ça permet d'aller plus vite et d'avoir un répertoire de morceaux beaucoup plus étendu. Pour les gammes qu'on peut utiliser pour un pro en jazz, ça peut être un cool, un live. Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, bah de toute façon, ouais, pourquoi pas. Bah, je vais noter ça. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais gamme, jazz, live, Michael Crowe. Ok, bah je prévoirai ça, je t'en parlerai. Ce n'est qu'une demi-heure, mais toujours riche. J'imagine combien ceux qui jouent l'harmonica profiteront beaucoup de cette formation gratuite. Quelle formation gratuite? Ah, ce que je suis en train de faire là? Oui. Ok. Ok, super. Tu as quel type d'harmonica, Charles? Tu as quel modèle et quel
Oui, quelle marque, quel modèle? C'est important quand même. Que tu prennes un bon, si tu débutes l'harmonica, si tu débutes pas, pas de problème, hein, tu joues ce que tu veux. Mais si tu es encore débutant, faut faire attention, il y a certains modèles qui sont pas très recommandés pour les débutants. Dis-moi si tu es, si tu es, si tu as déjà un bon niveau à l'harmonica ou si tu débutes. Je te dirai quels sont les harmonicas, les modèles que tu peux acheter. OK? Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la demi-heure qui suit là, je vais vous mettre le lien de cette vidéo vers le cours donc, qui s'appelle Comment utiliser les arpèges en improvisation. Donc, que j'ai mis ici. D'accord? Et comme ça, vous allez écouter aussi. Donc, je vais faire ça dans la demi-heure, là, entre jusqu'à. Disons que si vous venez en début d'après-midi à 13 ou 14 heures, vous allez pouvoir, ou même à midi et demi, je pense que ce sera prêt, vous allez pouvoir entendre ce que je fais. Et les exemples que j'ai fait là, je vais le mettre avec les pistes d'accompagnement. Comme ça vous donne. C'est important d'entendre comment ça sonne sur la piste d'accompagnement. D'accord? Voilà. Lioscar, bon d'accord, bah, si tu aimes bien le Lioscar majeur diatonique, prends-le aussi en si bémol. D'accord? Et comme ça, tu vas pouvoir. Et le Lioscar, il est pas très bon pour le blues, le Lioscar, mais pour le jazz, ça peut aller, quoi. Donc si tu aimes bien le jazz ou la musique pop, pourquoi pas. Niveau intermédiaire, 50 pratiques. Ah, t'appelles ça niveau intermédiaire? Oui, d'accord. Bon, bah 50 pratiques, ouais, c'est un super, super niveau, je pense. Donc, à moins que tu n'en fasses qu'une minute par jour depuis 5 ans, mais sinon, je pense que tu dois avoir un bon niveau. Bah, ok, bah, super. Bah, donc, tu sais jouer toutes tes notes, j'imagine. Bah, achète-toi un si bémol. Et puis, tu sais où l'acheter? Sinon, j'ai une bonne adresse, hein, pour toi. Voilà. Donc, je fais le. Ah, tu l'as déjà? Ah, c'était déjà le si bémol, bah, c'est parfait. Bon, bah, génial. Donc rendez-vous dimanche. On se voit encore, là on est jeudi, on se voit encore vendredi et samedi pour parler des arpèges. Je vous montre plusieurs aspects d'utilisation des arpèges. Et dimanche, on fait un récapitulatif de tout, c'est pas facile à dire, avec la méthode que je suis en train de créer et que vous allez pouvoir suivre pour savoir improviser sur tous les arpèges. Et donc, on en parle dimanche de 11h à midi. Mais on se. 50 parties que t'as pas de si bémol. Ah ouais, il y a des extraterrestres ici. Parce que tous les élèves de l'école internationale d'harmonica commencent par le si bémol. C'est pour ça peut paraître étonnant. Ok. Bon, bah, en tout cas, bon, voilà. Donc, rendez-vous demain matin. N'oubliez pas le ch'tong, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, le j'aime de Facebook pour montrer que vous avez apprécié ce cours. C'est important. Puis, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire sous le live. Pour dire comment vous avez apprécié ça, c'est toujours pas mal, c'est pas mal. Ça fait l'interaction, ça fait connaître la chaîne, et puis ça a aussi ceux qui passent par les lives en rediffusion, on peut dire waouh, il y a du monde qui a apprécié, bah tiens, moi aussi je vais essayer de suivre les lives en direct, quoi. Ça peut être sympa. Tu joues tous les bends, les tom blocking, etc. D'accord, super, bon bah parfait, alors tu as le niveau pour suivre la formation. Ok, super. Bon, bah écoutez, bah, bonne journée à tous. Et donc, bonne musique, Guy, Charles, Michael, Carmen et tous les autres. Voilà, donc on se retrouve demain matin pour continuer le cours sur les arpèges. Et donc, allez voir le cours que j'ai fait sur le site de l'École internationale d'harmonica, sur armo-jazz.com, c'est ici. Ah oui, super. 8 armo. Super. Bon, bah voilà, te voilà bien équipé. Et donc rendez-vous, je t'en prie, Carmen. Donc, en tout cas, rendez-vous demain matin, 11h, de 11h à 11h30. Allez, bye bye, bonne musique.